Peu de temps après le dégel, la coupe forestière reprend ses activités en Gaspésie. Des multifonctionnels, des transporteurs et autres machineries sont acheminées sur les sites de coupe grâce à des camions munis de plateformes adaptables, des fardiers. Aujourd'hui, on rencontre un passionné du transport d'objets lourds, Félix Plourde de Soudex à New Richmond. On part avec lui de Saint-Alphonse livrer une multifonctionnelle en plein cœur de la forêt gaspésienne. Salut Félix! Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui! Hey, merci de notre invitation, c'est bien excitant. Je te serre la main. Enchanté! Enchanté, ça me fait plaisir. Le dégel est fini la semaine passée, ça fait que les compagnies forestières retournent dans la forêt, commencent à bûcher. Fait que aujourd'hui, on ramène deux multifonctionnels dans le bois. Bien, le matin, quand on arrive, là, on dépine le plancher ici, on ôte les hausses à air, on baisse les rampes, on rouvre les équerres sur le bord du plancher pour faire un plancher plus large. On embarque ça, on attache la tête, on baisse le boom pour que ça passe en dessous des fils électriques, bien sûr. On met des petites les banderoles D puis les flashs, puis après ça, on est prêt à partir. Souvent, un fardier, t'es tout seul, là. T'es premier arrivé, puis t'es dernier sorti des poches, souvent. Mais c'est des beaux défis, moi j'adore ça, puis j'aime ça se dépasser dans la vie, ça fait que c'est un beau métier pour ça. Hey, impressionnant! Il est tout en beau comme ça, là? Il a l'air bien chargé. Ah oui, OK! Oups! Là-bas, ma fille. Yeah! Je suis bien excitée, en fait. Ça me ramène un peu à mon enfance. Mon père a troqué un petit bout de terre, on allait... au festival La Nouvelle, des camionneurs. J'ai été. On s'en va au kilomètre 68 de la route 299. On appelle ça la Baldwin. On s'en va en forêt 18 km à peu près dans le bois. J'ai un fait pour les 389, là, les Peterbilt 389. Ce modèle-là. Ouais, j'aime bien le look là, carré puis old school un peu, comme ouais, la manière que je l'ai monté. Là. C'est fait au Tadros. Moi, je l'ai acheté chez Transdiff à Québec. Je l'ai commandé sur mesure. Je suis copropriétaire de Soudex avec mon père depuis 2016. C'est moi qui gère la section fardier ou transport de plateforme, là, drop deck. Euh,
Un fardier, c'est un plancher extrêmement bas. Il y en a, lui, il n'est pas si en bas. Il y en a des plus bas que ça. Tu embarques n'importe quoi. Tu peux embarquer des petits rouleaux compacteurs. J'ai déjà embarqué une locomotive. J'ai fait un cours de mécanique agricole. Après ça, j'ai fait mon cours de camionnage. Puis j'ai travaillé pour mon père depuis ce temps-là. Mon père m'a traîné avec lui depuis le plus jeune âge. Tout ce que je sais aujourd'hui, je dois à mon père, ça c'est sûr. Il m'en a montré beaucoup. Ce que j'adore de ça, là, c'est que c'est pas routinier. T'as jamais les mêmes machines en arrière, t'as jamais les mêmes chemins. T'es le plus gros sur le chemin, surtout. J'adore ça. Plus que c'est gros, plus que c'est pesant, plus que j'adore ça. C'est ça. On sait à quelle heure qu'on part, mais on sait jamais à quelle heure on vient. Surtout en fardier, on sait jamais. Ça, c'est les pires conditions, là. Quand on est l'automne puis le printemps, là, quand il neige à 0, moins 1, là, la neige vient bien glissante beaucoup. Ah ouais. Quand tu as conduit ça à la forêt et tu fais du fardier, souvent on est à l'envers des autres. Tu sais, les trucks à bio, ben, ils montent à l'aige puis ils redescendent tout le temps chargés. Ben, nous, on monte chargé puis des fois on redescend chargé. Ça fait que les côtes qu'eux montent facilement à l'aige, ben, nous, on les monte chargés. Il y a des côtes là, qui sont assez dans le bout de la Reboule ou Guéguen, en arrière de New Richmond, Bonaventure. Il y a des côtes à 18%. Là. Il y a des chemins qu'on n'est pas capable de rencontrer face à face. Bien, qu'on n'est pas capable de se rencontrer parce que c'est pas assez large. Un camion normal, ça a 8 et 6 de large. Puis là, tu sais, nous, on est à 12 pieds là, matin. Quand tu es avec des vannes à bio, eux, ils sont chargés en descendant. Puis si toi, tu es chargé en montant, bien, c'est toi qui as priorité, c'est les autres. C'est sûr qu'il faut que tu conduis pour les autres aussi. Là. T'es rendu large, t'es large dans le chemin, puis les cyclistes te voient pas tout le temps, les piétons te voient pas tout le temps. Quand on prend des belles journées de même comme aujourd'hui, là, c'est le fun de travailler. Puis quand tu fais un job comme ça, faut que t'aimes tout ce qui va avec parce que tu ferais pas ce métier-là dans la vie. Là, ouais. Ouais, vous avez bien tourné à gauche, là, à Pancarte? OK, c'est beau. Si vous prenez une autre fourche, attendez-moi, là, parce que j'ai pris par là, mais j'étais pas sûr à 100%. OK, c'est bon. On vient d'arriver sur le chantier, on détache la machine, on relève le bras pour qu'il soit au-dessus de la tête, pour que quand on détache la tête, bien, pas que la tête bouge sur le fardier. Déchaîner, il reste à sortir cette chaîne-là. Là, après ça, il est prêt à se lever. Là, je vais aller en avant pour l'enligner pour qu'il descende bien droit. Merci. Vu que ça embarque pas sur l'arche du plancher, là, des fois, ça peut tomber en bas. Puis quand t'es proche, là... Ah, mon Dieu, OK. J'avais pas vu cet enjeu-là, là.
Ouais, primordial. Après ça, tu passes un coup de balai sur le plancher, brotant la roche, puis c'est pas mal ça. Chaque chaîne a leur place, ils ont différentes longueurs. On essaye de les remettre dans le plancher à la même place que. À la même place qu'ils sont. Pour que quand tu reviens refaire un chargement, mais t'as pas besoin de te chercher, puis de chercher, puis de chercher. Puis... Ça, c'est l'air de la suspension qui est en train de descendre. Quand c'est des suspensions à air, ça fait que quand tu ôtes un poids dessus, ben là, l'air était forte dans les ballons avec une grosse pression, puis là, elle est en train de descendre tranquillement. Là. On est arrivé, on a dépiné le fardier, on a déchaîné la machine, on a levé le boom, on a déchaîné la tête. Ça, il s'est viré de bord, on a débarqué. J'ai ramassé mes chaînes, on s'est repiné, puis là, on est prêt à partir pour retourner chercher la deuxième machine qui est au village à New Richmond. Donc, ça, c'est juste la première partie de la journée. Là. C'est ça. Un voyage, une journée habituelle, t'en fais combien? Des grosses journées, on peut en faire 5, 6, puis des fois, on en fait rien qu'une, des fois, on en fait rien qu'une demi. On a une ferme aussi. J'ai commencé à chauffer des tracteurs à 10 ans. Puis après ça, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des foins tout seul. En 2008, on a racheté des vaches pour s'amuser. On avait racheté 8 vaches, puis là, on est rendu à 90. Mon rythme de vie est assez élevé, là, avec la ferme, la grosseur, l'ampleur, que la ferme est rendue. J'en travaille une bonne shot. Mais je pense qu'on a été élevés là-dedans, nous. Moi, mes parents travaillaient extrêmement beaucoup, les deux. Aller à la ferme, moi, pour moi, c'est pas tout le temps un travail. Là. C'est souvent un amusement qui finit en travail parce que tu as de l'ouvrage à faire et il faut que tu la fasses. On cultive la ferme, on cultive Broche Miloc en culture. 300-400, ça dépend des années, 300-400 en grain, puis compter le maïs en silage là-dedans, puis le reste, c'est en foin. Quand je suis à une place, je me dis « Hey, j'aimerais ça être à l'autre place. » Puis quand je suis à l'autre place, des fois, je me dis « Hey, j'aimerais ça être assis dans mon camion. » C'est un hobby qui fait une grande place dans ma vie. Là, c'est beaucoup de travail, mais on aime ce qu'on fait, puis on continue. Il faut être passionné pour faire ce qu'on fait, ça c'est sûr. Félix, merci infiniment de nous avoir emmenés avec toi aujourd'hui. C'était vraiment une super belle journée. Merci à toi, Steph. C'était apprécié pour moi aussi. Bonne route! Merci!